Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver, vraiment, vraiment honoré de vous retrouver. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur YouTube, de partout où vous êtes. J'ai du monde qui sont là, du Québec naturellement, du Canada, des États-Unis aussi, étonnamment. J'ai du monde naturellement de l'Europe, les amis européens, les cousins français, beaucoup, beaucoup d'amis aussi au Maghreb que je salue, et Japon, Nouvelle-Zélande. En Australie aussi, en Afrique, les frères et sœurs africains et africaines qu'on salue, vraiment honorés de vous retrouver. Dans cette journée agréable ici, on est le 22 octobre 2020, 15h22 heure du Québec. Aux États-Unis, il y a beaucoup de neige dans certaines parties où c'est vraiment tôt, où il est tombé plus d'un pied de neige. Il y a plusieurs prévision qui nous annonce de la neige pour la semaine prochaine ici dans des régions plus métropolitaines au Québec. Il y a eu de la neige dans les régions éloignées déjà. Depuis 3-5 ans, on vit tous, peu importe où on est, hein, dans toutes les places dont j'ai fait l'énumération, où j'ai des abonnés, hein, qui représentent presque l'ensemble de la planète. On a vécu depuis 3-5 ans, surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations climatiques, de changements climatiques, qu'on ne peut pas nier. Anthropiques et cycliques, j'imagine. Et depuis longtemps, depuis les années 70, déjà les scientifiques débattent à savoir vers quoi déjà on s'en allait avant de comprendre l'influence puis la complexité des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on s'en allait vers un refroidissement ou un réchauffement? Parce que c'est ça, l'histoire de la planète. C'est un grand cycle qui s'étend sur une période de 100 000 ans où tu as des cycles de 10 000 ans à l'intérieur de ça qui se promènent entre refroidissement, mini-âge de glace, réchauffement. D'ailleurs, une des dernières grandes parties de l'histoire humaine de réchauffement important qui a amené énormément de prospérité et de développement, c'est l'Empire romain. Hein? On a vu ça se développer parce que naturellement, sous un climat clément, c'est beaucoup plus facile de se développer, l'agriculture se développe, la richesse se développe et franchement, la vie est plus facile aussi. Et on a vu des chutes d'empires et des tensions énormes, des guerres, des conflits, de l'anxiété dans des périodes où le climat était vraiment pas favorable, l'agriculture était pas facile, la baisse de productivité était visible à l'œil nu, le froid était insupportable parce qu'on n'avait pas les conditions de confort qu'on a en ce moment. Donc on a vu des hauts et des bas comme ça, mais les hauts sont souvent vus dans des périodes plutôt de réchauffement. Dans ces périodes de réchauffement ou de refroidissement, il y a aussi des endroits où c'est différent. Et ça a toujours été comme ça, si tu vas dans les littératures aussi. Dans des périodes de réchauffement, il y a eu des endroits où il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de sécheresse. Et même chose dans les périodes de refroidissement ou de grand minimum solaire. La NASA nous a dit qu'on avait un cycle 25 qui serait commencé avec un niveau d'activité solaire à son plus bas depuis 200 ans. Le 24e cycle était assez faible aussi. Très faible, et le 26e, on le prévoit aussi faible. Donc, ça nous donne une longue période. Beaucoup de gens s'entendent pour dire qu'autour de 2030, on devrait plonger dans un grand minimum solaire. Ça implique beaucoup de choses. On est en pleine pandémie mondiale. Vous avez vu que. On va se mettre une petite musique de fond, peut-être que ça nous détendra un petit peu. Bougez pas, je vais nous mettre ça. Cette pandémie mondiale, naturellement, qui vient de sonner le glas du système dans lequel on vivait. Tout est remis en question maintenant. Mais on voit aussi l'approvisionnement, hein, les chaînes d'approvisionnement qui sont touchées. Il y a eu des pénuries au début de la pandémie et des confinements généralisés au printemps. Mais encore aujourd'hui, on ne s'est pas remis de ça. On regarde, moi je suis ici près de Montréal, et puis quand je vais faire l'épicerie, où je vais à l'épicerie quelques fois par semaine, je me rends compte que les tablettes sont difficilement pleines, sont jamais, jamais pleines comme avant la pandémie. Parce que ça a remis beaucoup, beaucoup de choses en question. Les magasins sont, la plupart du temps aussi, de vêtements, vraiment pas à la dernière minute de la mode. On est encore avec des vêtements, même des fois, qui sont là du printemps et de l'été, parce que toute la chaîne, hein, de production et de distribution est affectée. Ça, c'est une chose, d'être affecté par les événements du quotidien, de ce qui te frappe, de l'actualité quotidienne et des événements qui se produisent.
Mais si on regarde plus loin, il y a une pénurie agricole qui a commencé à s'installer et une difficulté, et ça on l'a vu un peu partout, mais surtout dans des pays comme les États-Unis, dans le grenier des États-Unis, le Midwest, dans le grenier canadien aussi, on va aller voir ça, où les changements climatiques ont affecté énormément la productivité. Beaucoup de pluie, beaucoup de gel, beaucoup de froid. D'autres places, beaucoup de sécheresse. Donc, on commence à assister à une pénurie d'aliments. Et ça, j'en avais parlé. D'ailleurs, c'est pour ça que Jeff Bezos et Bill Gates ont commencé à investir déjà depuis un bout de temps dans des énormes serres, hein, pour faire une production en serre, parce que ça va être de plus en plus difficile. Et là, je ne parle même pas des pays d'Afrique qui connaissent soit des inondations qui viennent tout détruire, ou les pays d'Asie, ou des invasions de criquets aussi depuis 2, 3 ans sévissent et viennent ravager les plantations. Donc, on est dans une situation vraiment difficile. Et là, on commence à assister à beaucoup, beaucoup de signes de pénurie maintenant. Et je vous en parle souvent quand je vais faire un tour sur le site d'Agro-Insurance, où c'est très difficile depuis 3-5 ans. Les Français ont eu des difficultés avec les fruits, le raisin pour le vin, en Espagne, en Angleterre, avec les pommes de terre. Depuis 3-5 ans, la productivité agricole mondiale a baissé de beaucoup. Là, aux États-Unis, on vient de se rendre compte qu'il y a une pénurie de maïs. Maïs en boîte. Hein? Les médias attribuent la pénurie de maïs au virus, mais le bon sens, et une nouvelle étude réalisée ici au Canada, attribue des pertes récoltes massives au fait que notre soleil tombe dans un grand minimum solaire. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, on a été incapable de planter, ça vient d'un site qui est un site qui survole l'agriculture aux États-Unis, Market Intel. On a été incapable de semer et on a établi un record en 2019 du nombre d'arbres qu'on n'a pas été capable de semer, d'ensemencer, parce qu'il y avait trop d'eau, des inondations. Je vous en avais parlé de ça beaucoup. Les inondations historiques au début du printemps et les précipitations records dans certaines parties de la ceinture de maïs ont conduit de nombreux acteurs de l'industrie à s'attendre à empêcher les semis. Ils ont été incapables, c'est une mauvaise traduction, de semer. C'est-à-dire l'incapacité de planter une culture assurée a atteint des nouveaux records en 2019. Le dernier rapport sur les cultures le confirme. On était incapable de semer parce qu'il y avait trop de pluie, trop d'eau et des inondations incroyables. Et ça a été confirmé dans les derniers rapports. Donc, parce qu'eux autres, ils voient ça aussi par les paiements que les assureurs font, qui compensent, hein, les pertes, naturellement, les indemnités. Ces paiements d'indemnités peuvent dépasser les rendements économiques associés à une culture tardive et à un faible rendement. Les semis qu'on a été incapable de faire dans toutes les principales cultures étaient les plus élevés du Dakota du Sud avec 3,9 millions d'acres, après le Dakota du Sud, l'Ohio avec 1,6 million d'acres, l'Illinois 1,5. Et ça continue comme ça. Donc, naturellement, en 2020, ça a été un peu le même scénario. Ce qui nous amène à un article qui est en anglais. Je vais tout vous laisser dans la boîte de description d'ailleurs. Des consultants en agriculture de Winnipeg, au Canada, et qui ont fait une étude sur la diminution de l'activité solaire qui vient avoir un impact sur l'agriculture dans les prairies canadiennes. Et là, c'est en anglais, mais je peux vous le traduire un petit peu. On va aller voir ici ce qu'on nous dit. During the grain growing months of May and July, the mean temperature on the Canadian prairies has cooled down by 2 degrés Celsius in the last 30 years. Donc, ce on nous dit, c'est que depuis 30 ans, dans les prairies canadiennes, la température a baissé de 2 degrés.
The cooling appears to be most certainly linked to diminishing solar activity as the sun approaches a grand solar minimum in the next decade or so. Donc, ce refroidissement semble certainement lié à la grande diminution de l'activité solaire à l'approche d'un grand minimum solaire dans la prochaine décennie, 2030. Wow! This cooling has led to a reduction in growing degrees days and has also impacted the precipitation pattern. Donc ça, ça a mené ce refroidissement-là, naturellement, à un nombre de journées plus petites pour faire pousser les grains. Wow! C'est incroyable! Donc, on voit une diminution de l'activité du soleil. On fait aussi référence, je vous en parle souvent, « The most severe impact of extremely low temperature affecting spring wheat came in 1992 and 1993 after the 1991 Pinatubo volcanic eruption. Summer temperature were 2 degrees Celsius below normal, resulting in a record low prairie protein content of 12% and fusarium head blight in Manitoba in 1993. In these years, 75% of the spring wheat crop fell into the bottom 2 grades of 3 grades. Donc, je vais vous traduire ça. L'impact le plus sévère qu'on avait eu dans la baisse des températures qui avait affecté le blé de printemps est arrivé en 92-93, alors qu'en 1991, on a eu une éruption volcanique très forte sur le volcan Pinatubo. Et ces étés-là, les températures ont baissé de 2 degrés, en dessous des normales, ce qui a résulté en un record pour les prairies d'un blé qui contenait vraiment pas beaucoup de protéines et de fusarium. En 1993, dans ces années, 75% du blé de printemps, la récolte, est tombé dans les grades 2 et dans les grades 3. Assez spectaculaire. Donc, moi, je ne sais pas vers quoi on s'en va, je ne suis pas un scientifique, je cherche des réponses. Depuis les années 70, les scientifiques se questionnent, hein? Mais je peux vous dire une chose, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Ici, dans ça, c'est vraiment très, très bien documenté. On voit les cycles solaires, on voit le 24e qui était très, très bon, hein? On voit la descente du 24e au niveau des activités. Et le 25e, la NASA même, elle-même nous a dit, la NOAA, que c'était pour être peut-être un des plus faibles en 200 ans. Wow! Donc, on a eu une baisse des températures de 2 degrés associée à la baisse d'activité solaire. Bon, donc, je pense que c'était important que je vous partage ça. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais c'est sûr qu'on s'en va dans une période très, très difficile. En terminant, on va aller voir. Même en Europe, la récolte de maïs sucré était affectée par la météo. Le froid et les pluies font des ravages. Ça, c'est du 20 octobre 2020 de Agro Insurance. Hein. Le froid et les pluies font des ravages sur la récolte de maïs sucré de cette année, qui bat actuellement son plein dans la région espagnole de Castille-León, rapporte Huercaza. Le maïs doux est le principal produit de ce groupe de sociétés vouées à la fabrication de produits végétaux transformés, et environ la moitié de la production transformée provient des provinces de Ségovie, Valladolid et trois autres. Nous concluons des contrats avec les producteurs pour garantir que les deux parties ont le maximum de garanties. Donc, là aussi, la production est très, très, très difficile. Très difficile. Huercaza vend du maïs doux et cuit et emballé sous vide, à la fois en épis entier,
deux épis par contenant, et en demi-épis, quatre pièces, et dans des formats conventionnels et biologiques, ils commercialisent leurs produits à la fois en Espagne et dans une quarantaine de destinations internationales. La récolte de maïs affectée par la météo. En Inde, le 20 octobre encore, 57,7% de pluie excessive en dommages, sans beaucoup d'acres, en tout cas, beaucoup, beaucoup de cultures. Dans le Kamam, en Inde, et voyez, en Afrique du Sud, une chaleur extrême, après une semaine fraîche, brûle des pastèques. Et c'est comme ça. On se dirige vers une période très, très perturbée. Et il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir y faire, chers amis. Le café est affecté par les changements climatiques. Beaucoup, 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 beaucoup de... Beaucoup de misère économique à venir, hein? Beaucoup de casse-tête parce que on aura peut-être laissé aller les choses, on n'aura pas fait de suivi. La Niña apporte la sécheresse dans les principaux pays producteurs de céréales en Afrique de l'Est, le 22 octobre. Wow, États-Unis, des dates limites du 15 novembre pour les programmes d'assistance aux cultures en cas de catastrophe. Wow! Et c'est comme ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. En plus, avec les États-Unis, on a les feux... les feux de forêt en Californie et au Colorado qui sont pas finis et qui affectent les vignobles là-bas, entre autres, mais aussi l'ensemble du territoire agricole américain. Vraiment, vers un refroidissement ou un réchauffement, mais même les scientifiques qui nous disent qu'on s'en va vers un réchauffement, nous disent que grâce au refroidissement, au cycle de refroidissement de la Terre, le réchauffement est moins grave et moins... a moins d'impact. Donc, vraiment beaucoup de choses encore à regarder là-dedans, mais j'avais l'impression que c'était vraiment essentiel que je vous partage tout ça. Je vous reviens.